Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on peut voir à travers les arts martiaux, en tout cas ce que les arts martiaux peuvent nous apporter, et à savoir l'anticipation. La dernière fois, dans les autres vidéos, on parlait d'énergie, un petit peu de tout aussi ce côté un petit peu spectaculaire que l'on peut voir parfois dans certaines vidéos, avec des gens qui projettent à distance. Donc on va rester un petit peu dans le côté un peu bizarre, et on va parler de sixième sens. Ce sixième sens qui permet parfois d'anticiper. Alors, loin de moi l'idée de vouloir mettre un petit peu, encore une fois, les choses bizarres en avant, mais simplement, on est bien force de constater qu'on va ressentir des choses. Parfois, je suis persuadé que vous arrivez dans un endroit où vous êtes en présence de personnes avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Il y a comme quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place. Et puis parfois aussi, dehors, vous avez l'impression qu'il va arriver quelque chose. Ou alors, vous vous sentez en insécurité. Et ça, je suis persuadé que tout le monde a déjà ressenti ça au moins une fois dans sa vie. Donc ça existe, ça fait partie de nous, on a cette petite voix qui nous prévient de danger, et souvent c'est exprimé par la peur. Vous allez dans un endroit, vous montez une paroi par exemple, il y a la notion de peur, et c'est ce qui va parfois vous protéger. Donc ce que l'on ressent peut parfois nous préserver. Et c'est là où je veux en arriver, c'est que cette perception peut nous aider à anticiper les événements. On ne cherche pas à être parano, mais simplement de prévoir, anticiper tout événement qui pourrait survenir dans notre vie. Alors évidemment, on n'est pas médium, on ne va pas tout prévoir, mais regardez, simplement, on prévoit bien dans notre vie d'acheter une assurance pour être préservé en cas de vol, en cas d'incendie dans votre maison, vous avez une assurance. Idem pour la voiture, pour votre moyen de locomotion, vous êtes assuré. Et là-dessus, personne ne trouve bizarre le fait de prendre une assurance pour s'assurer en cas de coup dur. Donc on est bien d'accord que le fait de prendre une assurance, c'est bien le fait d'anticiper des événements qui sont susceptibles d'arriver. Pourquoi on pratique les arts martiaux? Eh bien, c'est aussi en vue d'anticiper des événements qui pourraient nous arriver tous les jours ou un jour en particulier. Et on va donc s'entraîner pour pouvoir se confronter à ce jour qui, je ne vous le souhaite pas, risque d'être perturbant et douloureux. Donc oui, on pratique les arts martiaux pour retrouver de la confiance en soi, pour se faire du bien, pour le côté bien-être, pour le côté sportif, mais on pratique également les arts martiaux au cas où, un jour, on se fasse agresser. Et on est bien d'accord qu'on ne va pas attendre ce fameux jour pour aller s'entraîner. Donc pendant plusieurs mois, plusieurs années, on va à la salle, on va au dojo pour pouvoir justement acquérir des connaissances et des compétences qui vont nous permettre de nous en sortir le mieux possible ou pas. Mais en tout cas, le jour où il se passe l'agression, à ce moment-là, si vous ne vous êtes pas entraîné, on est bien d'accord, ce sera plus compliqué. Et c'est sûrement pas à ce moment-là où vous allez dire à l'agresseur « Attends-moi 2 minutes, je vais aller m'entraîner et je reviens ». On peut peut-être le tenter. Un autre exemple, on est en plein dans l'actualité, que je trouve un petit peu aberrant aussi. Nous sommes tous d'accord que nous sommes confinés, et ce, pour un temps certain, et un certain temps. Combien de personnes se sont préparées à ce genre de situation? Beaucoup, je suis sûr, que ne l'auront pas fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes assistés, et on pense que tous les services publics vont répondre à nos besoins, à tout moment. Eh bien, détrompez-vous, on se rend compte à quel point tout peut aller très vite et pas dans le bon sens. Pas de masque, pas de gel, pas de plan. Et on est d'accord que ça aurait pu être pire. On n'est pas face à un virus tel Ebola, mais imaginez un petit peu la situation si ça s'était passé ainsi. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, eh bien, nous avons la responsabilité de ce qui nous arrive personnellement, et ce, tout au long de notre vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas inintéressant que quand vous faites vos courses, et ça tout au long de l'année, vous ayez un petit stock chez vous de toutes sortes de produits, que ce soit alimentaire, mais médical, avoir du coton, de quoi se désinfecter, avoir des médicaments pour les mal de tête, la diarrhée, plein de choses. Des choses qui vont vous permettre de rester confortablement chez vous
alors que dehors, ce sera la cohue et ce sera la bastonnade. Parce que regardez, quand il y a ne serait-ce que des soldes pour des pots de Nutella, ce que l'humain est capable de faire. Quand il y a des soldes, les gens vont se battre pour des téléviseurs, pour des choses qui sont complètement futiles. Donc imaginez comment vont se comporter la majorité des personnes lorsqu'ils auront faim. Et là, je vais faire peut-être des mécontents, mais je le dis quand même, c'est que les gens qui font des arts martiaux, normalement, devraient anticiper ce genre de choses. Si vous faites des arts martiaux, on doit avoir un esprit qui anticipe. Donc, on doit être prêt à toute situation, à tout moment. Vous vous entraînez pour pouvoir vous confronter à une situation difficile, eh bien, sachez aussi vous préparer pour des situations moins conflictuelles entre individus, mais en tout cas sur des situations où on ne peut plus bouger de chez soi pendant un certain temps. Et si vous avez déjà préparé les choses chez vous, au jour le jour, mois après mois, tranquillement, avoir un petit peu de nourriture de côté, eh bien, ce n'est jamais perdu, ça peut toujours vous servir. Vous faites une rotation de stock et vous êtes tranquille pendant un petit moment. Essayez de prévoir un mois ou deux et en tout cas, eh bien, vous êtes serein. Psychologiquement, je peux vous dire que ça change tout. Quand vous êtes chez vous et que vous savez que vous avez ce qu'il faut, eh bien, vous n'avez pas à aller vous confronter dehors à la barbarie que l'on pourrait connaître en cas de situation dégradée. Bien évidemment, chacun fait comme il veut, c'est sa vie, mais à partir du moment où on savait, on ne peut plus se plaindre et on ne peut que subir. Si on a anticipé, on est beaucoup plus serein. Et encore une fois, quand on part à la guerre, quand on se prépare à la guerre, eh bien, on anticipe, on a des choses qui nous permettent de partir serein à cette guerre. On est bien d'accord que quand on part à la guerre, c'est pour gagner. Jamais aucune armée ne partira à la guerre ou en confrontation avec l'idée de perdre. Quand vous faites un combat dans les arts martiaux, à aucun moment vous pensez perdre. Si vous pensez que vous allez perdre lors d'un combat, je vais vous éviter d'aller faire le combat, restez chez vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, restez fort dans cette période un petit peu difficile. Apprenez à anticiper, continuez de vous entraîner chez vous. La prochaine vidéo, je pense que je vais faire un petit cours pour voir pourquoi pas une leçon ou un Tao, histoire que les gens puissent travailler un petit peu chez eux. Parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cours qu'on ne peut pas s'entraîner chez soi. En plus, ça fait du bien et puis on a le temps, il n'y a plus d'excuses. Continuez de partager, mettez plein de pouces bleus et puis si vous voulez pas, eh ben tant pis. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Zaijian.